chers amis étudiants, voilà, de Sciences Éco et de Physique Chimie. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour le lancement du championnat inter-UFA de la LISIO. À l'instar des grandes universités du monde, le sport occupe une place importante dans les activités estudiantines. Le sport est aussi un facteur de développement que les universités ivoiriennes ont décidé de réorganiser en créant l'ISUO, la Ligue Sportive Universitaire Olympique. La Ligue Universitaire a pour objectif de promouvoir le sport en milieu universitaire, pour pouvoir compétir dans les championnats, dans des clubs et pourquoi pas aussi relever les défis au niveau des compétitions nationales. L'université regorge des talents et nous pensons que la LISIO, la Ligue, va permettre à ces talents d'éclore. Samedi dernier à l'université Félix Touffet-Boigny, l'ouverture du premier championnat de cette ligue, c'est avec le football qu'on pourrait être en phase avec la couleur sportive du moment. En match d'ouverture, les physiciens chimistes face aux étudiants de Sciences Éco. Un match qui n'a connu qu'un seul sens, la victoire écrasante des chimistes très déterminés et très talentueux. 5-0, c'est le score de cette rencontre. La Ligue sportive universitaire prend en compte plusieurs disciplines sportives. Les disciplines retenues, il n'y a que 5 disciplines retenues. Dans 5 disciplines, à savoir le foot, le volley, le maracana, l'hand et le basket. Ces disciplines-là, nous allons faire les disciplines mixtes, c'est-à-dire une équipe féminine ou une équipe masculine. Et notre objectif final d'Athènes, c'est que dans chaque discipline, il fallait que nous faisons sortir une équipe type dans chaque discipline pour représenter l'université tant au plan national qu'international. Le challenge de l'ouverture réussie, les prochaines échéances de cette ligue seront certainement tout aussi épiques et Buzz de Sport prendra le soin de vous en informer lors de ses prochaines éditions.